Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. Salut à tous, c'est Sheka, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va se retrouver pour la suite. Alors comme je le disais au début, on se retrouve sur le déplanétiseur. Alors c'est la suite et c'est sûrement la fin de l'aventure. Parce que bah voilà, tu vois, en fait le méchant on l'a pas vu pour le moment et c'est la première fois qu'on le voit. Donc du coup bah... Alors tu dis chichi, pourquoi t'avances pas sûrement? Je crois qu'il y a un boulon par ici, je suis plus sûr. En même temps, voilà, tu vois, c'est la fin de l'aventure, donc je traîne un petit peu. Non, je rigole. De toute façon, j'ai déjà le futur let's play. Alors, il va avoir du... Par la suite, il va avoir du arc sur la chaîne. Mais ça, c'est vraiment le... C'est vraiment mon mode survie. Donc, du coup, j'ai pas encore de... Ah, oh, merde. Arrête de parler pendant que je parle, toi, enfoiré. Ouais. Exactement ce qu'il faut. Du coup, essayer l'holo déguiseur avant de continuer. Oh mais ferme ta gueule toi. Monsieur Zurcon est là pour détruire. Non, ça c'est pas ça, c'est ça. Identification positive. Voilà. Bienvenue capitaine. À l'attention de l'équipage du déplanétiseur. Si vous voyez qui que ce soit qui n'a rien à faire là, merci d'appuyer sur le bouton tuer les intrus. C'est le gros bouton rouge. Celui qui ressemble à tous les autres. Il faudra qu'on fasse un effort pour le prochain des planétiseurs. Prépare-toi à être désintégré. Champ de désinfection activé. Donc là, si tu me vois, dès que tu bouges, tu redeviens en Ratchet. Donc, en gros, faut pas que tu te fasses choper. Mais comme je te disais, par la suite, il va y avoir du arc. Vous avez l'air très heureux. Et je vais faire pas mal de jeux de survie. Enfin, des jeux où je vais pouvoir rester longtemps, tu vois. Je vais pas... Ah, puis on rompt pour faire signe de la main, ok. Donc je vais faire pas mal de jeux, mais des jeux style arc et tout, ou des Z ou des trucs comme ça. En fait, c'est vraiment pour partir sur des jeux où les modes survie, ça va, je vais pouvoir rester pas mal de temps. J'ai eu peur, je pensais qu'il y en avait un qui avait appuyé. Ah là là, laisse tomber le stress que je me suis fait tout seul. Ah, je viens de me faire un stress tout seul, c'est un truc de fou. Ouais, donc par la suite tu verras, il y aura du arc extinction après le arc bien sûr. Quand j'aurai fini le arc, je rajouterai arc extinction et il y aura d'autres jeux de survie au moins, tu vois.
Au moins, tu vois, il y aura pas mal de choses à faire. Du côté des méchants, vous savez. Parfait, pas le con. Avance tout doucement. Voilà. Toi, tu bouges pas de là en plus. Enculé. C'est bon. Alors tu mets vraiment toutes tes munitions, hein. N'aie pas peur, si tu dois tout défoncer, tu défonces tout. Hein. Tu vas pas commencer à faire des chichis. La porte est verrouillée. Nous devons trouver un autre accès. Alors, comme t'as vu, la première fois que j'étais dans le déplanétiseur, j'ai galéré à grimper là. Sauf que c'était pas le bon épisode. Là maintenant, tu peux. Tu vois? Plus ici. Non. Ah ok. De réagir là. Tâche. Et je t'ai eu, mais d'une de ses puissances, c'est un truc de ouf. Oh putain. Attends, attends, attends. Ok. On va pas aller trop vite, hein. C'est un baume, capitaine. Avant qu'il active le champ de désinfection. Allez, cassez-vous. Alors comme tu vois là, la dernière fois j'avais augmenté mon arme à fond. Et là du coup tu vois ils arrivent plus à prendre le dessus sur toi. Et t'as une de ses puissances et une de ses portées de malade. Voilà, ça sert strictement à rien, hein. Tu tires tes 3 balles. Donc on fait le tour, on regarde si on peut avoir des choses. Surtout les petites bouboules là. Ça, c'est vraiment ton arme la meilleure. Après je vais augmenter également mes disques parce que on arrive bientôt à la fin et le dernier boss, si t'as pas tes disques t'es mort. Voilà, la vita elle est refaite, on sait jamais. On se dépêche, on refait le plein de mun. Allez, c'est bon. Bonjour, capitaine Quark. Vous avez l'air très héroïque. Ouais, je sais, je sais. Là, il y en a un, deux. Ok.
On va le laisser partir, lui. Casse-toi. Non mais je t'ai vu, espèce d'enculé, bon. Tu me prends pour un bleu ou quoi? Eh, j'ai joué à Pokémon Go, moi je suis un fou dans ma tête. Hein. What? Non mais tu me fais pas ça, toi. T'as le petit coup de snipe à la fin qui fait plaisir, qui passe tranquillou. Ah là 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 là, cette jeunesse de nos jours, que des pro gamers. S'il y a un truc à changer sur ce jeu, ça serait vraiment la rapidité, tu vois. Parce que là, quand t'avances, t'es vraiment en mode de tense. Laisse tomber. Enfin, t'es toujours habitué à des jeux où tu vas très vite. Bah, où tu vas plutôt vite, ouais. Est-ce que je le tente? Non, je le tente pas. On va attendre qu'il se retourne, espèce d'enculé. Allez, dépêche-toi. Là, normalement, on peut même faire le deuxième. Et là, on fait signe. On fait un petit coco. Voilà, il est content, il nous laisse passer. Alors avant il te fallait quand même plusieurs coups de marteau. Là tu vois que t'es niveau 10 avec ton personnage. Et ça passe quand même plutôt rapidement. Tous les deux allers-retours, il passe lui. Voilà. Putain, j'aurais dû y aller. Oh, putain, il est long lui en plus. Dès qu'il arrive au bout, il s'éteint. Maintenant. Te loupe pas. C'est bon ça. Et voilà. Un petit coup dans les fesses et c'est bon ça. C'est quand même avec une dame, un petit coup dans les fesses et c'est bon. Par contre après cours. C'est... T'es pas prêt, tu cours, tu te sauves. Améliorer ton le motonator, c'est que des robots, non, je veux pas l'améliorer là maintenant. Truc de plasma, ouais, non, on va faire les disques. Et où les disques? Ah mais je peux pas l'améliorer. Il est déjà à fond. Il y a le gros viton, on peut. Le lance prédateur va me servir. On va le faire lui. De toute façon, tu vas le voir vraiment contre le boss final. Toutes tes armes, ils vont y passer. Tu vas vraiment avoir besoin de toutes tes armes. Alors, dès qu'il descend, je balance mon machin. Il faut qu'on les empêche d'activer le champ de désinfection.
Alors là, laisse tomber, t'as un robot. Oh, pas en mode défi, il est quand même mieux. T'as un petit peu plus de résistance. Là, je suis en mode normal. Enfin, je l'avais. Le jeu, si tu préfères, je l'ai supprimé pour le réinstaller. Ouais, laisse tomber. Là, tu es. Le temps qui arrive. Il est mort, hein. C'est. Il y en a encore normalement. Ouais, il y en a encore. Alors, je te le dis, c'est vraiment. Là, je m'attendais à plus de résistance. En mode défi, j'en ai chié. Mais vu que je l'ai. Bah, vu que j'avais supprimé le jeu pour te le refaire en let's play, je me suis dit c'est sympa en fait, c'est un petit peu. Tu retrouves un petit peu des jeux que tu faisais quand t'étais plus petit, plus jeune. Enfin, moi j'étais gamin quand j'avais ce jeu là, c'était encore sur la PlayStation 2, donc je te dis pas, ça fait combien d'années hein. Si tu y repenses, tu te dis putain, chichi, t'es vieux. Voilà les munitions à fond. Ce terminal de Crocheteur indique la position du stabilisateur de gravité. Alors on va commencer à refaire des maths. Alors là, si tu mets là, c'est pas possible. Donc on va essayer là comme ça. De toute façon, là, il n'y a rien qui gêne et il peut pas gêner un laser. Ok. Là, ça serait parfait. Il gênerait pas. Ah si, il gênerait. Et là, il gêne aussi. Alors lui, si tu le mets là, il gênerait pas. Il pourrait pas gêner. Voilà. Là, celui du dessus. Tu peux le mettre là. Et il gênerait. C'est bon, c'est celui-là. Lui, si tu le mets là, il gêne pas non plus. Mais il resterait que lui. Voilà. Quand tu fais aller ta tête et que t'as dormi un petit peu, ça va, tu vois, c'est assez simple. Attention, usage non autorisé d'un holodéguiseur. Oh oh, on dirait que l'holodéguiseur ne fonctionne plus. Ouais. Jette donc. Tête que j'y mets. Quoi? Ouais, pour voir tes trucs à la baisse. Hein. Alors en fait, quand tu reprends le max, tu te remets aussi ta vita. Oh, toi, je t'avais pas vu. Viens voir. Ah, mais tu mets des balles comme ça, toi. Ça va pas le faire, non, mais oh. Allez, vas-y. Ce qu'on va faire, au lieu de mettre celui-là, on va mettre les disques. Les disques, ils sont là.
Et là, on va mettre... Moi, je mettrais bien celui-là. Excusez-moi. Moi, j'ai un petit peu avancé sans... J'ai un petit peu avancé sans le micro parce que bah j'ai eu un coup de téléphone, mais voilà, en même temps fallait que je m'occupe. J'ai vraiment désolé. Les turbo-aimants sont prêts et on est en position. On attend ton signal. Alors, là, je peux pas. Là, normalement, je gênerai personne. En plus, c'est le dernier. C'est bon. Donc là, si je mets les deux là. Je gênerai personne non plus. Du coup, il me resterait lui. Waouh. Pire, j'allume lui. Bah voilà, c'est parfait. En fait, j'en ai tellement chié la première fois que je les ai fait. Donc on va devoir se battre contre le gros. Il pleut des grenades. Waouh. Alors quand tu touches le au snipe, quand tu touches la boule rouge, c'est bien, tu vois, c'est son point faible. Tu m'as rien appris du tout, connard. Eh, dernière balle. C'est bon, je l'ai eu. On change. C'est bon, on peut reprendre le snipe. T'es sérieux là ? Un petit trou du tronc, c'est cadeau. Bon, maintenant, ça suffit, capitaine. Le docteur Nefarious veut à tout prix détruire le système. Je n'ai plus rien à te dire. Tu as gâché ma vie. Allez, dis bonjour à mon nouveau copain. Attendez. Ah ouais, ça se corse un petit peu. Lequel je vais me mettre? Alors tu vois lui. Avec les pires méchants de la galaxie. Oh là là. Je ne peux plus faire machine arrière. Il va falloir que je te fasse disparaître et que je reprenne le cours de ma vie pour que les habitants de Solana m'aiment à nouveau. Ah,
Alors par contre le sien il est long tu vois. Quoi? C'est quoi le délire? Oh merde. Putain. C'est pas le bon truc normalement. Ah lui je le garde mais lui je vais mettre ça. Tu vois, il est vraiment long, il a du mal à tourner. J'ai que 4 mines. Sérieux? Alors lui, il faut vraiment rester loin. J'espère qu'il va crever, espèce d'enculé, bon. C'est pas juste, j'étais pas... Mais regardez-vous enfin, vous faites équipe avec les pires méchants de la galaxie. Je ne peux plus faire machine arrière. Il va falloir que je te fasse disparaître et que je reprenne le cours de ma vie pour que les habitants de Solana m'aiment à nouveau. Agent ravageur, attaqué. Alors là je me bats mais c'est assez compliqué parce que je suis pas sûr que je vais y arriver. Il me reste que 10 PV. J'ai
Voilà, c'est ce que je pensais. Et c'est ce qui est arrivé. Donc ouais, moi et les boss finales, c'est assez compliqué. La faciale que j'y mets, elle est juste magnifique. En plus, tu récupères toutes tes munes. Ah merde, j'étais trop vite. C'est juste d'agir dans l'intérêt de la galaxie. En fin de compte, je commence à regretter de t'avoir appris à te battre comme Avenger. Quoi ? C'est comme ça que les vrais héros se battent. Oh, c'est juste parfait ça aussi. Ah, j'aime bien. Viens voir papa. Regardez tout mon pain. Je me suis avec les pires méchants de la galaxie. Je ne peux plus faire ma chère. Il va falloir que je te fasse disparaître et que je reprenne le cours de ma vie pour que les habitants de Solana m'aiment à nouveau. Agent ravageur, attaqué. Et merde. Je commence à comprendre un petit peu. On va lui enlever le maximum. Thank you.
ou quand il a les yeux fermés. C'est sûr qu'on m'entend encore, Peter qui passe. Rien à te dire. Tu as gâché ma vie. Monsieur Zio. Allez, dis bonjour à mon nouveau copain. Le attendez. Putain, je vais l'avoir, hein. Je suis tellement à fond dedans que je parle pas. Et je vais finir par l'avoir, hein. Il en manque plus beaucoup. Je vais finir par l'avoir, hein. Il perd combien avec ça, lui ? Une misérable boule de poils solidement adorable qui a réussi à convaincre les habitants de Solana qu'elle était une star. Il perd 3%. Encore 4 et c'est bon. Et je redeviendrai un héros dans leur... La galaxie ne vous remerciera jamais pour un acte aussi stupide. Mais bien sûr que si, je suis une célébrité. Il est où lui ? Alors, on est toujours sur le déplanétiseur. On vient de battre le capitaine Quark. Et là, on va devoir battre le boss final. Donc, ça sera pour la prochaine vidéo. Je vais le couper. Hein. Je passe le rail avec vous. Et après, pour la prochaine vidéo, on fera le boss final. Enfin, je sais pas si je te la mets de suite ou si j'attends 2-3 jours pour te mettre la vidéo.